Bonjour vous, j'espère que vous allez bien les gars. Bienvenue les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la saison 2 de Prison Life RPG. Et les gars, on commence tout de suite sur là où on s'était arrêté la dernière fois. Et déjà je tiens à dire, je vois quelque chose de très désagréable. Comment ça se fait qu'on ait qu'une seule viande? Je vous avoue que ça me... C'est bizarre. J'avoue que ça me les brise un peu là. Parce que bon. Une de viande alors que j'en avais trop en tout. Bref, écoutez. On va dormir. On verra si. Super mauvais. Je ne peux jamais être heureux dans ce jeu là. C'est terrifiant. On va voler de la viande encore un cas. Et je vais vendre mon inventaire, c'est normal. Que ça écrit que x1. Parce que je vous avoue que les gars, je vais péter un câble. Parce que je peux pas m'acheter pour 200 balles de viande. Genre ça me paraît un peu trop. Comme vous pouvez voir, j'ai à peine 40 balles, frère. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut je péter un peu quoi. Voilà, j'ai une de viande. Une de viande. Oh, excusez-moi. C'est très désagréable ce qui vient de se passer. J'ai fait un roux, mais il était surpuissant. Du coup, voilà. Je voulais voir mon inventaire. Mais là, ça me met deux viandes. Ne me dis pas qu'elles pourrissent. Ce qui me paraît très logique, mais. Si elle pourrisse, attendez, mais moi je suis foutu en fait. Comme j'ai dit, je peux pas acheter pour 200 balles de viande quoi. Déjà que je dois arriver à 200 balles pour. Oula, c'est dangereux d'essayer de voler mon partenaire là. S'il me chope. Non, ça y est. Voilà. De toute façon, là, à mon avis, on va plus pouvoir voler personne. On va se reposer parce qu'on est KO là. On est KO, voilà. On est bien, on va partir du coup là. On va manger avec toi t'es chez Rose and Gert. Toi t'es un mafia, toi t'es tout seul. Allez hop. Alors les gars, en vrai, j'ai vraiment envie de lui demander hein, qu'elle me libère, mais à mon avis, demande au docteur. Allez, on fait déverrouiller. Oula, papa, cet homme me demande de faire de mauvaises choses. Convention Dragaf et du directeur. Garde, envoyez ce prisonnier en cellule 2, machin. Je savais pas qui. Mais je croyais que j'étais à 100 avec elle. Ah, ça me fait bien chier ça. Putain, il me manque très peu pour avoir un maximum de flouze. Putain, je peux travailler qu'une heure. Bon, on va travailler une heure. C'est l'heure des douches. Putain, je suis trop con. Mais je pensais que j'étais à 100 avec elle. Eh, mais c'est revenu en arrière ou quoi le jeu là? Je dirais vraiment que c'est revenu en arrière en fait, c'est chaud quoi. Bon, en vrai je suis bien là, je m'en fiche, j'ai pas besoin de faire une deuxième douche. Entraîner, j'ai tout. Du coup, bon, on va juste dormir. Voilà. Pas de rêve, super. Putain, j'avais pas parlé avec elle, avec ma femme. Voilà, elle peut me dire. Mais attendez, mais si, il s'est clairement passé une dinguerie là. Donne-moi ton argent. Bon bah allez, on va se faire voler tout l'argent qu'on vient de choper. Super. Putain, j'ai eu 10 partout quoi. C'est terrifiant. Bon, il me reste toujours pas mal d'argent en vrai, 69. Alors attendez là, ma viande. Allez, j'en ai toujours 3, ok. Non mais j'ai pas compris pourquoi. J'ai vraiment l'impression qu'en fait le jeu il est revenu en arrière. Ah ouais,
je suis en dépression là, frère. Ah, hop, on va te voler ta viande, toi. Putain, mais en plus, j'avais plus d'argent, non? Genre, je devais avoir dans Istanbul. Non, mais attendez, les gars, il se passe vraiment des trucs chelous, là. On est d'accord que j'étais censé avoir dans les 200 balles, normalement. Je crois que le jeu, il a vraiment pas sauvegardé, en fait. Et que là, alors, attendez, vous allez entendre quelque chose. Voilà, tous. Là, voilà, bonjour à tous. Attendez, d'accord qu'à la fin de l'épisode... Ouais, j'avais 130 balles, pourquoi là j'en avais que ça. J'ai perdu mon argent en fait, j'ai pas compris. J'ai perdu masse argent, c'est chaud, bah c'est bizarre en fait. Du coup lui je vais voler sa viande. Et un bon gros film de poulard lui. Ouais mais ouais, non mais c'est bien ce que je pensais en fait, mon argent il a disparu. Pas comprendre pourquoi. Y'a personne qui a un autre morceau de viande là, sérieux là, vous déconnez wesh. Yes. Putain, y'a personne qui a de la viande. J'ai pas possible, c'est pas possible que j'ai regardé tout le monde. Yes. J'ai vraiment regardé tout le monde. Allez ref là, pourquoi vous avez pas de morceaux de viande sur vous, putain? C'est n'importe quoi. Ok, non mais j'ai vraiment regardé tout le monde et il y a personne qui a un morceau de viande sur lui. Ah bah si, lui. Putain, lui, oh, il faut pas que je mate. Il y a bien un moment je vais me rater, hein, parce qu'à chaque fois je réussis toujours. Hein. Voilà, il y a un moment je vais me rater, hein, c'est sûr. Désolé, j'ai bu un petit peu là. Et hop, on va pioncer, on va bouffer en même temps. Ah ouais, putain, lui il est rose. Oh, je l'aime pas. Ok, alors lui il est stylé. Hop, on va manger tranquille. On va aller draguer la dame. Voilà. On va vous draguer, madame. Je ne sais pas pourquoi vous. Je suis trop dépressif. Pas moyen que je me mange un petit burger. Ah, bah si, j'en ai deux en plus. Voilà. Je suis plus dépressif. Ici. Voilà. Bon, maintenant que je suis ici, on va aller parier direct notre bifton. Voilà, pac, ça on est carré. Et je peux reparier 50$. Alors on a 160. Truc de cul, alors attendez, hop, je vais vite faire regarder mon plan là parce que hop, je suis en train d'y penser. Ok. Alors ça, je suis en train de flirter avec elle pour avoir ce qu'il faut. Ah ouais, on peut se couper le bras carrément. Ça, on est à 5 viandes sur voilà. Et ça, il nous faut un cutout. Même c'est pas vraiment le nom, si tu veux mon avis. Bref, bah écoutez, vu qu'on est là. Ah toi, on est potes, toi, hein, ouais. Bah tu vas m'apprendre genre le konfu. Un petit ragot, voilà, un petit ragot. Ça fait plaisir. Ah, c'est l'heure de la douche. Ok, bon. Hop. C'est carré, on est bien là. Bon, moi j'ai pas besoin de plus, là je suis carré. On va apprendre un peu pour le Kung Fu. Le Kung Fu. Ah, 30. J'ai full troll. J'avais pas vu que c'était 30. Aïe. J'ai 5 fois. Eh ouais, bande de naze. Bon, normalement, là, si je me fais pas voler, il y a moyen que je puisse déjà acheter mon cutter. Femme, on va parler un peu avec ma femme. Bon, et puis on va voler, hein. Ouais, il me faudrait un truc de boulard, quand même, parce que là...
que j'ai un truc de boulard en stock? Ah, j'ai un petit truc de boulard en stock. Il n'y a pas de sous-size. Bon, maintenant il manque plus. Il faut que je vole de la viande à tous les prisonniers. Ah, toi. Voilà, merci pour ta viande. Salon origami. Hop, j'ai déjà regardé eux. Bon, les refs, il faudrait avoir de la viande sur vous là quand même. Hein. Quoique, je comprends pourquoi ils ont plus de viande. À chaque fois qu'ils en ont, ils se la font chourave. Ça va être problématique là, parce que là j'aurais regardé tout le monde et j'aurais pu voler qu'une viande aujourd'hui. Oh, ça dégoûte. Bon, on va penser. Peut-être qu'ils en auront après. Je comprends pas la logique de pourquoi ils en auront après, mais bon. Voilà. Bon. Je suis trop dépressif. Oh yo, merde. Je suis dépressif. Je ne peux plus parler avec elle. Ah, un petit café. Est-ce que le café ça donne un peu d'happiness? Un d'happiness. Oh la puterie. Ah, d'ailleurs, ici, là, il n'y a pas un petit morceau de viande qui traîne? Ah, je pourrais manger une pomme. Une pomme? Non, ça donne rien. Fleur, c'est inutile. Ça? Ça donne aucun happiness. Une pomme, bah, j'ai regardé. Putain, y a rien qui me donne de happiness là. Je vais devoir manger un burger. Non, vous savez quoi, on ira la voir demain, elle. Scofield, on est potes. Enfin non, c'est mon frère, wesh. Il est sérieux là. C'est un malade mental ce type. Et après il veut que je le fasse évader quand même hein. Le culot de certains, je vous jure. Bon. Je te volerai bien ton truc de cul juste pour me venger. J'ai l'impression que ça a un peu changé hein, parce que il n'y avait pas autant de gens avec des trucs de cul hein, j'ai juste mal regardé. Hein. On va tricher 100 balles. Let's go, 260. Les médicaments. Moi, il me faudrait des outils, les refs. Outils, c'est combien? C'est 170. Il me manque un putain de dollar. Pour avoir le truc quand même, c'est chaud, hein, je vais péter un câble. Bon, bah vous savez quoi, on va voler un truc de boule. On va voler un truc de boule parce que bon, comme ça au moins on en aura deux en stock. Ah tiens, je vais lui voler son truc de boule à mon pote. Ça lui apprendra à vouloir me racketter là, ce malade mental là. Ça c'est carré. Hop. Merci pour le truc de boulard, salaud. Allez bosser. On va travailler une heure. Voilà, on a pile la thune. On va aller acheter le cutter. C'est lui le cutter. Outil. Voilà. Le cutter. On a ça. Du coup, est-ce que ça nous l'a mis automatiquement en tant que bon ou il faut que je le fasse? Ah, ça nous l'a mis, ok. Bon, il nous manque plus que la viande. Et puis on sera bien. Plus que la viande. Bon, le draguer, là, on la fera. On draguera la meuf demain. Comme ça, hop, on sera posé au sol. Et voilà, on pourra se barrer. On va sortir, on s'en fout. Le kung fu, mais en fait je suis con parce que le kung fu 30.
Bon, c'est quoi? On va apprendre de toute façon, hein, on a que ça à faire. Et on va dormir. Et je suis toujours heureux. Le truc, c'est qu'il faut pas qu'on me pèse la gueule là, parce que sinon. Femme. Femme. File-moi de l'argent, femme. 12 balles. Un peu radin quand même. Hein. Bon, la viande, les reufs. Allez, filez-moi votre viande, les reufs. Pas de viande, rien. Savon, donuts. Ouais. Eh bien, les reufs, il s'agirait d'arrêter d'être radin un peu. Hein. Merci pour ta viande. Hop. Ça c'est carré. Encore un petit morceau de viande. Bon, à mon avis, je pourrais pas. De toute façon, là, je pourrais pas voler. Hein. Je crois que j'ai déjà regardé eux. Là, à mon avis, j'ai déjà un peu trop volé pour aujourd'hui. Parce que lui, il a de la viande. Je vais le tenter. Ah, je le tente. Aïe 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 aïe. C'est bon, mon ref, c'est bon. Calme-toi, calme-toi. Être radin à ce point là. Ah, je suis malheureux. Ah, normalement, la bouffe, elle va me mettre suffisamment bien pour que je puisse parler à l'infirmière. Parce que deux fois de suite là, quand même, je vous avoue que ça déconne. Oh, un, putain, un de bouffe. Chier. Si je me soigne, genre... Ça me donne même pas une seule fois. Mais attends, là, si je mange, ça va me compter comme une heure. De toute façon, j'ai combien, en pire, encore, de... Allez, combien, même oh, si peu, hein. Ah, j'ai si peu tout, là. J'ai 8 morceaux de viande. Oh, ça va, ça va. Franchement, je sors... J'ai pas d'argent, mon ref. Je vais te tabasser, mon gars. Je vais t'apprendre le respect. Il me casse la gueule. Bon. Comme quoi. Hein, le petit burgot. Et voilà. Flirté. T'es verrouillé. Les femmes ne peuvent pas résister à... Oh, bâtard. Pas un origami sur toi, là. Bon, bah, écoute... Non, il faut que je joue au jeu, là. Faut que je me fasse un peu d'argent. On va pas travailler. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de travailler, moi. On va tricher. Ah merde, j'ai fait 50, ok. Oh, on va se faire 10. Bon, je... Putain, c'est l'heure de la douche. Bon allez hop, on va se doucher tranquillou. Et demain, si tout se passe bien là, on va pouvoir s'échapper. Ce qui est ma foi, un masterclass. Vous savez quoi? On va se reposer, on va pas chercher à comprendre. On se met bien, on se met bien. On va parler à ma petite chérie, lui dire j'arrive bientôt pour te péter le cul. Putain, il faudra peut-être que je vole un burger quand même. Hein. Et un burger, c'est que de chair. Hein. Origami, toi tu vas me filer ton origami. Voilà, origami. Pour l'origami, je vais voler un morceau de viande et je vais en acheter un. Et là, on peut sortir. Voilà, on peut sortir là. Hop là, je vais me payer un petit morceau de viande parce que j'ai 23 balles et ça coûte 20 balles le morceau de viande. Les armes, pas besoin d'armes. Un médicament, pas besoin de médoc. Des outils. J'ai déjà ce qu'il me faut, mon ref. Spécialiste en bouffe. Je te prends ton meilleur steak. Et là, les gars, je regarde. Et normalement, tout était ok. On va juste passer le temps. Paisiblement. On va garder
le meilleur moment. Et on va dégager. Blizzard de cœur, ok. Attends, ils sont deux clans différents ou Blizzard de cœur? Ok, j'étais en train de lire, je comprenais pas, j'arrivais pas à savoir. Et là, les gars. Là, les gars. On prend ma petite médication. Oh, bébé. Bah, tiens. Un origami. Tu l'as fait pour moi, je suis touché. 100. Bon, bah. Oui, je suis sûr. Oh, mon ref. Tu peux me casser la gueule quand t'as envie. Je me barre demain. J'en ai rien à foutre. Voilà, casse-moi la gueule. Ah, je suis triste. Je m'en fous, je suis heureux d'ici demain. Et là, mon plan d'évasion. Tu as tout ce qu'il faut pour t'échapper. Tu peux commencer ton évasion maintenant. Bah non, on attend ce soir. Ah, je peux commencer maintenant, mais attends, ça fait quoi là? Si je le fais maintenant, autant le faire le soir. On va se taper une petite queue quand même avant de partir. Comme ça, au moins, on sera heureux. Et là, c'est carré. Alors, on prend la petite dernière à la prison. On part. On se tape sa meilleure queue. Et. Dégage. Plan d'évasion. Fuir maintenant. Pour commencer, j'ai besoin. Ah merde! Oh, je suis trop con. Bon, bah, on va dormir. On va faire son meilleur rêve. Bon. Bébé, j'arrive demain. Enfin, après. J'arrive dans 5 heures. Ah, mon ref, tu fais quoi là? Oh là là, bah je suis mort, Evan. Ah, bah attendez. En soi, ça me va qu'il me casse la gueule. Hop. Plan d'évasion. Fuir maintenant. Je suis enchaîné au lit, je dois enlever les menottes. Déverrouille les menottes, tu es libre maintenant. Merci, connasse. Je me casse de ce roi-rat. Est-ce que je te reverrai un jour? Ta gueule ou je te tue. Oh, il est si viril, je ne peux pas résister à un si mauvais garçon. Cabal. Oh, je savais même pas qu'il fallait tout ça, là. Allez, on fuit par les câbles. Allez, prenez la viande. Les chiens sont occupés, vite! Coupons les grillages! Pac, 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 pac! Et les gars, je crois que c'est fini. C'est un grillage électrifié. Je dois faire attention. Coupe le grillage. Maintenant, tiens. Et tiens le grillage et rampez par le trou un par un. Freedom! Libertida! Tu t'es échappé de prison, hourra, liberté! Attention, l'évasion est juste le commencement. Fuir de la prison, excellent. Réussir à s'échapper avec deux autres prisonniers. S'échapper sous 15 jours. Ne jamais rejoindre un gang. Survivre ou sortir de la prison en vie. Utilise le docteur machin pour se barrer. Avoir plus de 12 surnoms. Compléter son but personnel. Eh les gars! On n'a pas d'être ça là? On s'est barré 15 jours pile. Moi je trouve qu'on a plutôt bien d'être ça quoi. Et ben voilà les gars. Et hop, Schofield s'est barré. Et bien les gars, vite fait, je vais aller voir les personnages que j'ai débloqués.
Alors eux là c'était voilà que j'ai joué et là j'ai débloqué eux. Oh ça veut dire qu'il y a Batman. Qui est Batman les gars, moi ça me fait bander. Ah mais en fait il est tout. Ah mais non. Oh ouais. Oh mais Batman il est surcheaté par contre. C'est terrifiant. Vas-y, j'ai envie de voir un peu c'est qui les tout derniers mecs là. Genre il doit être surpuissant les refs. Oh y'a Terminator frère. Y'a Rambo. Yo, wow. Lui c'est le meilleur hein. Il est surpuissant hein. Oh ouais. Ah ouais putain. Il a pris pour beaucoup hein. Le chef. Ah ouais. Ok bon bah écoutez les gars, c'est ainsi que s'arrête cet épisode sur comme vous pouvez le voir Prison RPG Life. On s'est échappé de manière ma foi fort stylée. Je vous remercie d'avoir suivi cette saison 2 les gars. On se retrouvera très prochainement pour la saison 3. Et oui, allez, ciao bye bye.